Il n'est pas certain que la mise en ligne du texte intégral de la lettre au roi de Jules d'Estrées soit une bonne idée. En effet, le style et le genre utilisés par l'auteur sont ceux d'un autre temps, le vocabulaire également, et certains termes, s'ils ne sont pas remis dans leur contexte ou lus selon la définition qui leur était donnée à l'époque de la publication de la lettre, risquent réellement de conduire le lecteur à se méprendre sur les intentions de l'auteur. En partie pour cette raison et en partie pour des raisons liées à la longueur du propos, des extraits seulement de la lettre au roi ont été republiés à différentes époques. À aucun moment elle n'a été méconnue et elle a toujours été la référence du mouvement wallon, dans des discours des années 20-30, dans la presse clandestine sous l'occupation allemande, sur les panneaux des manifestants lors de la question royale, des grèves de 60 ou en faveur du maintien des fourrons dans la province de Liège. Elle a toujours été également citée comme référence dans des discours ou des congrès politiques. Au début des années 1980, l'Institut d'Estrées a prolongé l'initiative qu'avait prise 20 ans plus tôt Wallonie Libre. Maurice Bologne a réédité la même version, allégée et sans rien occulter. Dans la préface, le lecteur était averti du caractère incomplet du texte et la raison lui était donnée que certains passages qui n'avaient pas été reproduits pourraient être compris par des lecteurs des années 1980, de nos jours donc. Nécessitait des explications à caractère historique ou des notes complémentaires. Dès lors que le texte complet est maintenant mis en ligne à l'initiative du gouvernement wallon et sous le couvert scientifique de l'Institut d'Estrées, les explications nécessaires sont apportées dans des bulles que vous pouvez visionner en cliquant sur les différents liens qui vous sont proposés.